Enfin sorti de cette cabine d'enfer, j'en pouvais plus. Ouais, moi aussi. Oh, moi aussi. Les enfants, vous avez déjà appris à faire des conneries? Oh, mais qui n'aurait pas appris à faire des conneries? Ouais, qui n'aurait pas appris à faire des conneries, sérieusement? Bah, ben, je sais pas. Ça vous dit de cracher par-dessus, aller toquer chez les portes des autres? Ouais! Wouh! Regarde, regardez-moi. Ouais! À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi! Répu! Ah, t'es trop nul! À moi! Répu! Attendez. Vas-y, à toi. Ouais, ouais, vas-y, à moi! Je t'aurais lu. Je te vois depuis là-bas. Attention! Pouh! À moi! Pu! Pu! T'es nul! Ben oui, mais il n'y a plus d'eau! Et qui a dit qu'on allait chercher de l'eau? D'accord, on fait la course! Ok! Je suis prête! Oui! Moi aussi! Yeah! Il m'a encore échappé! Oh, j'y crois pas! Avec votre bateau. Oh, merci, mon Dieu. On l'a fait conçu par les meilleurs mains. Il est anglais ou irlandais? Irlandais, madame, voyons. Oh, c'est une merveille. Je vous confirme. Ouais, vas-y! Vas-y, plus vite, plus vite, plus vite! Allez, plus vite! On va tout prendre du bateau, ok, les gars? Ouais, go! Oh, elle est trop belle, la vue! On s'éclate! Wouh! Je vole! Sans personne, sans alcool, je vole! Moi aussi, je peux me tirer devant! Et poussez pas, les enfants, vous allez tomber à l'eau! L'eau est glacée! Wouh! On s'éclate! Oh, c'est tellement beau! Ouais! Youpi! Oh, c'est trop bien! Ouais, trop! Ouais. Oh. Les enfants, j'avais pas dit de rester à votre cabine. Oh, mais allez, maman, quoi, on a quoi de s'amuser. Ouais. J'étais avec eux. Je te tiens, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Qui est-ce? Bah, mon Dieu. Encore un nouveau, comme tu nous as dit, Vicky. Non, je ne connais pas, lui. C'est qui? Ah. Oh, merde, je suis entourée par une famille. Une famille? Non, je ne crois pas. Nous n'avons pas tous le même nom de famille, ni tous le même pedigree. J'ai un pedigree, moi. C'est un ami, enfin, entre parenthèses. Oui, oui, je suis un de tes amis. Alors, tu n'es pas venu dans ma valise comme ça par hasard? Non! Enfin, je comprends pas ce qu'il ferait là. Je comprends même pas ce qu'il fait là. Bah, j'ai voulu prendre une place en troisième classe. La troisième classe n'est pas pour vous ici, nous sommes en première. Je voulais être partir. Oui, monsieur, que je connais pas. Oh, vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Qui est-ce? Ouais, c'est qui, Luge? C'était celui qui a voulu m'attaquer. Je sais pas ce qu'il fait là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, jetez-le à l'eau, faites quelque chose. Je ferai tout pour ça. Bon. Les enfants. Oui, maman. Bon. Ce soir, nous allons dîner avec beaucoup de gens. Je veux que vous soyez beaux et propres. Et surtout, pas de bêtises pendant la préparation de vos affaires. Promis. Oui, maman. Oui, maman. Oui, madame. Oui, maman. Madame. Bon, très bien. Mais maman, c'est bien de venir meilleur à qui? Ces deux hommes qui sont juste en face, à côté de moi. Ok. Je sais pas qui c'est, mais ils n'ont pas compote. Chérie, étoile, ma chérie, je t'ai entendu. Tu veux que j'aille te préparer avec maman? Non. Non, ça ira, maman. Non, moi non plus. Moi, oui, maman. Madame. Oh là là, je me trompe tout le temps, parce qu'il y a vos enfants. Et oui, bon, j'ai compris. Mais si jamais, au cas où, Luge, on peut aussi venir de toute façon. Vous n'allez pas rester tout ça dans la cabine. Quoique. Non, laissez-le tout seul, on le connaît même pas. Oui, c'est une bonne idée.
Non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Ivresse tout seul dans la cabine. Quoi? Mais vous n'avez pas le droit. Ouais, allez, maman, il vient. Ça mettra un peu de piquant à cette histoire. Ouais. Les enfants, j'entends tout ce que vous dites. Et déjà, pour votre conversation, c'est qui ces deux-là? Bah, un, c'est le concepteur et l'autre, bon, je sais pas en fait. Ouais. Bah, je vous les présenterai une fois arrivé à la cabine. Mais dépêchez-vous, les enfants, allez vous habiller. D'accord, maman? Oui, maman. Oui, madame. Dépêchez-vous, allez, zou, 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 zou. Oui, oui. Ouais, ouais. J'ai ma plus belle robe. Oh, les gosses. Vous faites pas, j'en ai un à la maison. Moi, non. Heureusement, d'ailleurs, ça a l'air chiant. Là, là, je sais pas quoi mettre. Ouais, moi non plus. Moi, je vais pas porter mes habits. Tu crois que maman pourra me renseigner? Non, je pense pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a rien. Je sais pas quoi mettre. Votre mère n'a pas tardé à arriver. Oh oui, j'espère. Je vais ouvrir. Coucou. Oh non. Oh, c'est bon. Ouvre ma toute de cette porte. Espèce de débile. Ouvre la porte. Les enfants, ouvrez surtout pas la porte au cafetage. Ici, c'est maman. Avoir des enfants, ça a l'air chiant. Oh non, pas que sur bébé, ça va. Vous avez un bébé? Oui. Oh, sympa. Vous avez bien que si c'était bébé, c'était hyper gentil. Bon, madame, on vous raccompagne à votre cabine, si c'est comme ça. Bien, monsieur. Ici. Mais qui est-ce? Bonjour, c'est... Je me suis trompé de cabine. Votre place est en troisième classe, monsieur. Dépêchez-vous de conduire, sinon j'appelle les gardes de sécurité. Bah, c'est un peu normal. Dépêchez-vous. Oui, oui, ça va. Oh, merci, monsieur Smith. Vous m'avez bien aidé, là, pour ce coup-là. J'en ai un peu plus, ces gens-là. Bon, au revoir, les chers messieurs, pour ce genre d'idée. Au revoir. Au revoir, madame. Oh, les enfants. Ah, les bottes. Ah, je trouve ça vous arrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, Mickey. Maman, maman, le chat-mort est revenu. Oui, il est revenu. Il veut me trotter. Il veut quoi? Me croquer? Oh, mais voyons, les enfants. Il n'est plus là, il n'y avait personne à la porte. Oui, il était là. Bon, d'accord, il se met à faire... C'est... comment dire... La faire enfuir et... Et voilà. C'est qui? C'est le cheval brun qui est avec moi. C'est, entre parenthèses, le propriétaire de la compagnie qui a créé le bateau. Entre parenthèses. D'accord. Ok. C'était lui, en fait, un peu de l'homme, un peu... qui prenait un peu plus risque que les autres. Oui, bon, allez, vous avez prévu toute une soirée? Oui, maman, on va tout de suite le prévoir. Oui. Moi, je sais pas quoi mettre. Bien, l'architecte a sûrement un truc pour toi. Il a une fille. Je vais apporter des trucs de fille. Mais non, voyons. Des trucs des garçons. Mais t'en fais pas. Il a pris des habits pour toi aussi. Oh, bah alors, ok.